Ça va. Non, quand même. Au nom de Jésus, que tu sois le bon corps.
parole au nom de l'Esprit de Dieu. Dirigez le puissant Seigneur Jésus. Conduis le puissant Seigneur tel ton Esprit Saint pour la mission. Azalité, azalité, azalité. Notre Dieu et pour prier, intercéder. Amen. Amen. Nous donnons la parole à Papa Salomon qui va nous conduire pendant ces moments. Alléluia. Amen. Pour les amis qui sont en groupe, je pense que nous avons déjà reçu le texte qui avait été envoyé dans Jérémie. Dans Jérémie. Jérémie 32, je pense, 17 et 27. Nous pouvons lire dans 3-4 versions différentes. Est-ce qu'il y a le Dieu de toute chair? Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Alléluia. Est-ce qu'il y a des mots difficiles ici? Toujours, nous nous rappelons, quand nous disons mot difficile, ça veut dire que c'est un mot que nous ne connaissons pas, mais c'est plus pour donner un peu beaucoup d'éclairage pour la compréhension. Qu'est-ce que... Il y a des mots difficiles. Il n'y en a pas. Nous pouvons passer à notre partage. Pour peut-être papa, parce que Christian et la maman, si vous n'avez pas encore assisté à nos rencontres. Si. Donc, c'est le partage. Tout le monde est prédicateur selon la compréhension. Il a écrit qui met un commentaire à la fin. Nous prenons pour ça. Qu'est-ce que nous comprenons de ce texte? Pour votre information, d'abord, le verset 17 là que nous avons dit, c'est un verset qui se retrouve dans mon travail de mémoire de fin d'étude. Je ne sais pas chez vous, chez nous, à la fin de votre... Vous faites un travail, et dans ma première page, j'ai pris cette phrase-là. Qu'est-ce que nous comprenons de ça? Moi, je pense qu'il fallait une certaine introduction. Comme ça, tu as dit, il y a un partagé. Les amis, aidez Aïcha, le français. Le francophone. Ah, Aïcha, elle parle pas français. Elle parle français. Pas du Ghana. Ah non, je disais,
Si David pourrait faire l'introduction et le reste, ça peut être débattu. Bon, je voudrais peut-être proposer une question par rapport à ce texte. Qu'est-ce qui signifie pour nous quand quelqu'un dit « Ah !» Puisque le premier verset commence à... Exclamation. Ah, exclamation. 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 Il y a combien de sortes d'exclamations? Il y en a beaucoup. L'exclamation, c'est une exclamation. C'est juste un étonnement. La déception, la colère, la joie, l'étonnement. Mais tu as fait une erreur que tu ne pourrais pas faire. Tu dis, ah, oh, Seigneur, pourquoi j'ai fait ça? Mais dans le cadre de ce texte ici. Bon, moi, si je voulais parler un peu, au verset 17, je crois que c'est Jérémie qui parle, je crois. Parce que il a dit que, au verset 17, il dit que la guérison. Tout ce que nous voyons aussi là, rien n'est étonnant à Dieu. Il savait qu'il y a un moment de souffrance, il y a aussi un moment de résistance. Donc voilà un peu ce que moi j'ai compris. C'est comme si que, le Saint-Esprit a aidé les frères qui voulaient, ou bien qui a envoyé les textes ici. Pour moi, j'ai pris ça dans ce sens. Donc cette prière, ça sera une prière de reconnaissance, de reconnaître que Dieu, il est toujours... Il est tout puissant et il est magnifique. Amen. Hein? Amen. Okay, merci beaucoup, Papa Jean. Une autre personne. Oui, Maman Isha. Quand je disais Jérémie 27, voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Il n'y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Ça m'a fait repartir quand Jésus disait que tout a été accompli. Et généralement, on nous dit le tout, ça englobe toutes choses. C'est-à-dire tout, vraiment tout. Si on veut citer vraiment, on ne va pas quitter. C'est-à-dire la maladie, je ne sais pas, tout. Là, il peut faire tout. Donc, Dieu même vient encore. C'est comme s'il venait pour réaffirmer encore. Et il nous demande, est-ce qu'il y a quelque chose qui est étonnant de lui, sa part? C'est-à-dire qu'il peut faire toute chose. C'est tout ce qu'on voit en tant que chrétien et on met dans notre tête, on dit que oh, je vais prier Dieu pour ça, il est capable de faire. C'est-à-dire qu'il n'y a rien que Dieu ne puisse changer. Il n'y a pas de situation qu'il ne peut pas déplacer. Ou bien il n'y a pas de montagne dans nos vies qu'il ne peut pas déplacer. Il peut tout. Lui, donc la question nous revient, il nous demande, est-ce qu'il y a quelque chose qui sera étonnant de lui, sa part? C'est vrai, peut-être les gens du monde peuvent voir quelque chose et disent que oh, c'est impossible. Mais avec lui, tout est possible. C'est-à-dire, il peut faire toutes choses. Merci beaucoup, Maman Isha. Qui me séparera de l'amour de Jésus? Ni l'humilité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination. De mon sauveur. Les choses présentes, c'est à venir. Les choses élevées, c'est sur la terre. Et paix ou péril, ou les puissances de toutes ces choses. Qui me séparera de l'amour de Jésus, ni Dieu de Dieu, ni domination, ni homme, ni ange, ni domination, ne me séparera de mon sauveur. Jésus a mangé, tout
Décide quelque chose, il le fait. S'il décide de te retirer de cette vie, il le fait. S'il décide de te garder, il le fait. C'est ça sa volonté. C'est pourquoi nous allons merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Thank you, Jesus. 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 Que tu viens de faire à cette famille, Seigneur. Il n'y a que merci, Père, parce que nous n'avons pas autre chose. Toi, tu n'agrées jamais les sacrifices qu'on peut t'apporter. Même si on t'apportait quoi que ce soit, Seigneur, devant toi. Mais la plus grande expression pour nous cet après-midi, Seigneur, c'est de te dire sincèrement merci. Merci, Seigneur. Pour ce dont tu viens d'accomplir. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, Seigneur. Hier, tout à l'heure, nous avons vu le corps de notre frère, l'abbé. Oh, Seigneur, toi, tu avais permis cela. Mais aujourd'hui, par contre, Seigneur, tu n'as pas permis que quelque chose de mal arrive dans cette maison. Amen. C'est pourquoi nous venons devant toi, étant qu'une famille, Seigneur, pour te dire encore merci. Merci, merci Seigneur. Oh, merci, Seigneur, merci, gloire te soit rendue. C'est que nous te demandons, Seigneur, continue à faire ton œuvre dans cette famille. Amen. Continue à te manifester puissamment dans cette famille, qu'ils sachent qu'il y a un Dieu qui est vivant. Amen. Il y a un Dieu qui opère des miracles. Il n'est pas un Dieu qui est limité. Amen. Oh, Seigneur, gloire te soit rendue pour tous les bienfaits. Parce que tu n'as pas permis que le mal arrive. Oh Seigneur, nous te disons sincèrement merci de tout notre cœur. Voilà pourquoi nous venons, étant qu'un seul homme, pour dire encore merci Seigneur. Merci. Que ton nom soit béni. Au nom de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ.
voulais sincèrement remercier toute la famille Fokov, personnellement, parce que c'était un moment vraiment dur, parce que je ne sais pas personnellement là, donner tous les détails de la situation que j'ai traversée. Je crois que papa Salomon et papa Didier, et je crois papa Michel, maman Nelly également, et papa Jean, qui m'ont vu pendant, j'étais encore à la maison avant d'aller faire, je fais pratiquement un mois, deux mois à l'hôpital, un mois et demi à l'hôpital. J'étais alité, et pendant deux semaines, les médecins n'ont pas trouvé la maladie. Et vous allez voir dans la case où on met toujours la maladie, ma femme m'a fait ce constat, que moi je ne l'avais même pas fait. Elle m'a dit, mais comment, quand chaque fois que je viens te rendre visite, je trouve seulement ces cases-là, mais question mark. On met toujours un point d'interrogation. Ça veut dire quoi? Moi, j'ai dit, mais jusque-là, ils n'ont pas trouvé. Le médecin, quand il vient, il me dit, non, j'ai d'autres interventions, je passe demain. Et c'était comme ça chaque jour. Mais vous n'avez jamais cessé. Parce que j'avais toujours les témoignages venant de tout le monde de la part de Papa Salomon. Vous n'avez jamais cessé, et encore moins baissé vos bras pour nous soutenir dans la prière. Il y a ceux qui ont même soutenu financièrement, que je ne sais pas citer les noms, personnellement ici, mais que Dieu vous bénisse abondamment. Abondamment. Merci. Prochainement, peut-être on aura le temps de témoigner. Yes. Parce que c'est seulement la personne qui voit la grandeur de Dieu. Je crois que par rapport à la prédication de tout à l'heure, il n'y a que celui qui est victime qui peut comprendre la grandeur de Dieu. Yes. Généralement, quand on n'est pas en face d'une situation difficile de la vie, on a tendance à croire que tout va bien et que Dieu... C'est pas, peut-être il y a certains qui disent, bon, Dieu, c'est vraiment, il existe. Yes, il existe. Mais on arrive à réaliser que Dieu existe, c'est seulement pendant cette période. Yes. J'étais parfois seul à l'hôpital, parce que je ne pouvais pas rester avec des gens à l'hôpital. Et vous-même, vous vous dites, je ne peux plus vivre. Parce que j'avais un problème vraiment très délicat. Au niveau du poumon, c'est la première fois, et le médecin était d'ailleurs retourné. Il m'a dit, vous ne fumez pas, vous ne prenez pas de l'alcool. Comment ça se fait que votre poumon est troué? C'était une grande cavité. Et ça a apporté de l'infection à l'intérieur. Il y a un autre médecin qui vient, qui dit, non, est-ce qu'on peut opérer? L'autre dit, non, laissez-moi, je veux voir. Et quand j'ai entendu le nom opération, je me dis, c'est des parties... qui sont sensibles dans le corps humain, qu'on ne touche pas facilement. Mais bon, que la volonté de Dieu soit faite. Il y a ma fille aînée qui dormait ici à la maison. Sa maman a constaté que l'enfant est en train de bouger un peu la nuit, en train de pleurer. Il a réveillé, qu'est-ce qui se passe? L'enfant dit à maman clairement, je viens d'avoir un rêve où le médecin lui dit, papa ne peut pas vivre, il reste seulement deux jours. Et avec toutes les prophéties qu'on a eues, parce qu'on néglige pas la prophétie, c'est Dieu celle qui connaît. C'était prévu que le 25 décembre que tout s'arrête. Et la maman a regardé l'enfant, ils ont prié avec l'enfant la nuit. Et pendant que moi j'étais à l'hôpital, j'ai vu des gens venir me prendre. Pour me dire, bon voilà, est-ce qu'on peut partir? Je dis, ah, on va partir avec vous. Moi je reste d'abord ici. Vous partez, moi je vais revenir demain. Et le lendemain, le médecin vient, il me regarde, il dit, tiens, je pense qu'aujourd'hui, vous pouvez vous asseoir, hein, de toute façon, parce qu'on est encore là. On va partager un petit rien. Et alors, il vient, il me dit, est-ce qu'aujourd'hui tu es prêt, on peut aller faire cette intervention? Et du coup, j'ai dit, bon, qu'il n'y a pas de souci. On descend avec le médecin et ils ont mis des caméras, tout ce qu'il fallait faire. Et finalement, ils ont pu trouver la maladie. Et l'autre médecin dit, non, on ne fait pas l'opération. On va plutôt donner des antibiotiques. Et ces antibiotiques-là, ils vont le prendre pendant une année, mais 6 mois, on va l'appeler pour voir si réellement... il y a quand même l'évolution. Pour le moment, moi-même, je sens qu'il y a beaucoup plus d'évolution
Bien que je ne suis pas encore rentré chez le médecin parce que ce n'est pas encore 6 mois, je vois qu'il y a beaucoup d'évolution. Parce qu'avant, c'était, si vous restez comme ça, vous respirez pendant 30-45 minutes, un moment, il y a une coupure. Vous respirez, puis après, à un moment, ça redémarre comme une véhicule, en fait. C'était comme ça que ça se faisait. En tout cas, un grand merci pour la famille Foco, pour votre soutien à la prière et financièrement également. Que Dieu vous bénisse à vous. Acclamez pour vous, acclamez. Un repas de fraternité, un petit sandwich, un petit coca de fraternité. Amen. Voilà. Merci beaucoup. Bon, 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 merci beaucoup. Il y a les fruits aussi derrière. Je pense que je peux l'amener ici devant pour faciliter les choses. Bien l'idée. Dans un appel d'un fruit, voilà. On va peut-être mettre ça ici. En passant, j'ai quelque chose à dire, mais moi je prends pas trop de temps. Hein. Mais vous en faites pas. Non, Zara, t'as bénité. Pour ceux qui me connaissent, je suis l'épouse de papa Christian. Pour ceux qui ne le savent pas, les cœurs ne vont pas. C'est maman Gladys. Donc je souhaite à tous, vous êtes bienvenus chez nous aujourd'hui. C'est pas la première fois. Vous avez l'adresse. Je pense qu'on va encore donner encore bon, le numéro. À l'avenir, peut-être qu'on va changer la maison, mais bon. Pour l'instant, on est chez nous. Donc, vous êtes en tout cas chez vous. Vous êtes des bienvenus. Amen. Maman Gladys. Ok, il y a à boire, il y a des petits sandwichs. Voilà. Il y a du thé. Il y a du thé. Pour ceux qui veulent du thé, du café, voilà. Alors, supportez un peu. Regardez là-bas, là-bas, supportez. Vous avez un décœur. Vous pouvez supporter. J'ai mon décœur. Ok, merci beaucoup. En tout cas, soyez santé, vous allez. En tout cas, merci pour la remercie. Maman, je peux continuer aussi. J'ai donné à papa de foi et sauve. Car tu sais que dès que je suis malade là, oui, je suis fatiguée, désespérée. Il n'y a pas d'espoir. Mais quand tu regardes d'une part que non, je garde foi, je sais que Jésus est avec moi, je sais qu'il marche avec moi, je sais qu'il est le Dieu des choses impossibles. Alors, ta foi. T'es créé comme un bouclier. Donc ta foi t'es garantie encore que tu vas t'en sortir, quoi. Peu importe la capacité de ton problème, tu vas t'en sortir. Donc moi, je me penche plus du côté que nous devons garder vraiment la foi, car Jésus est avec nous dans toutes sortes de circonstances qui peuvent nous arriver dans la vie. Nous devons garder la foi. Merci beaucoup, maman Gladys. Je pense que tout est pratiquement dit. J'ai scindé ce message en deux. Il y a d'abord le message de Jérémie qui a parlé, qui s'est exclamé. Et le second message, c'est Dieu qui nous pose la question, qui te pose la question, qui me pose la question personnellement. Donc, seulement ce message en deux. La première partie, c'est l'exclamation de Jérémie. Jérémie, après avoir... Si vous lisez ce texte avant ou d'ici là-bas, c'était un problème que les enfants d'Israël étaient en train de traverser, une situation très, très difficile. Et vous allez réaliser qu'au point où nous sommes arrivés avec l'exclamation de Jérémie, Jérémie a trouvé que non, les problèmes que Israël trouvait extraordinaires, impossibles, Dieu l'avait résolu. Et à ce moment-là, c'était une exclamation de joie que jamais je pouvais penser que nous pouvions nous en sortir avec cette situation. Et je vais rallier cette exclamation de Jérémie avec nous devant Christian aujourd'hui que nous sommes venus célébrer le Seigneur. Dis-moi, ceux qui avaient vu Christian hier, pendant le temps qu'il a traversé, ou bien avant la maladie, pendant la maladie et maintenant après la maladie, vous allez dire que vraiment le Seigneur est grand. On venait dans cette maison, il ne faisait que vomir. Donc la nourriture ne restait pas dans le ventre. Donc au point que parfois, vous venez vous prier, vous dites, est-ce que le Seigneur vraiment écoute? Qu'est-ce qui va arriver demain? On ne sait pas. Je pense que tu as fait plus ou moins, plus de 3 mois. Oui. Plus de 3 mois. Il n'allait même plus au travail, il était là, alité. Donc c'était vraiment compliqué.
on venait, on priait, les hommes de Dieu passaient, les gens passaient ici pour prier. C'était vraiment compliqué, on se disait, qu'est-ce qu'il ne va pas? On va même à l'hôpital, les médecins ne trouvaient pas de solution. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? La maladie, d'ailleurs, on ne trouvait pas la maladie. On ne trouvait même pas les problèmes, c'était quoi? On n'avait pas trouvé la maladie. On changeait d'hôpital, tout ça, mais il n'y avait pas de solution. On a fait trois hôpitaux pratiquement. C'était la même réponse. Et ce n'est pas de petits hôpitaux en plus. Ce soir ici, c'est notre exclamation de joie de voir que Christian s'est mis encore debout. Il a repris les activités. Donc, nous nous exclamons aussi comme Jérémie pour dire qu'en tout cas, Dieu est merveilleux. Amen. C'est étonnant. La main de Dieu n'est pas impuissante en face de quelle que soit la situation. Nous rendons gloire à Dieu. Amen. Et le deuxième point que je voulais dire, c'est la parole de Dieu. C'est l'Éternel qui nous pose la question, qui te pose la question. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui trouve qu'il soit impossible de la part de Dieu? À toi de répondre par rapport à ce que tu as vécu dans ta vie personnelle, par rapport à ce que nous sommes venus voir notre bien-aimé debout, est-ce qu'il y a quelque chose que tu penses qui soit impossible de la part de notre Dieu? C'est comme a dit Maman Gladys, laisse que cette parole de ce soir, cette visite de notre frère, que nous sommes venus rendre visite, notre frère Christian, que cela booste encore notre foi. Que ce soit un message pour lequel nous puissions nous souvenir, nous rappeler, quels que soient les problèmes dans l'avenir qui pourraient surgir dans notre parcours de vie, souvenons-nous quelque part, même dans notre vie personnelle, il y a quelque part quelque chose qui t'avait dérangé, qui était pratiquement impossible, que tu te disais peut-être, je ne vais pas m'en sortir dans cette situation, mais tu t'en étais sorti de cette situation. Aujourd'hui aussi, nous sommes venus célébrer la guérison de notre frère Christian. On a trouvé que c'était vraiment impossible. Imaginez-vous, humainement parlant, quand on dit que non, les médecins ne trouvent même pas la maladie. C'était devenu difficile. Peut-être on a pensé même qu'il y a des problèmes de famille. Lui-même aussi, en tout cas, je voyais cette pensée, ce penchant-là de voir que peut-être il y a des problèmes de famille. Les gens se plaignent dans la famille. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer pour dire que non, Dieu est le Dieu de toute impossibilité. Le Dieu est capable, quelle que soit la situation dans l'avenir. Souvenons-nous que devant Dieu, il te pose la question, qu'est-ce que toi tu penses qui soit impossible à moi, ton Dieu? Amen. Amen. Avant que je ne remette la parole à Maman Nelly qui va continuer la prière, je nous prie de nous incliner pour bénir le Seigneur par rapport à cette parole. Que nous avons douté face à une circonstance quelconque, où nous avons même semblé même dire que Dieu nous a abandonnés, nous allons nous repentir devant notre Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, nous venons devant toi. Seigneur, merci pour cette parole. Seigneur Jésus, qui a donné plus de lumières à votre questionnement, Seigneur Jésus. Nous avons encore appris une fois de plus que nous devons avoir l'assurance envers toi, Seigneur. Le Créateur de toutes choses. J'ai manqué la foi. Nous avons compris notre Seigneur. Nous avons compris notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il n'y a que toi, Seigneur Jésus-Christ. Et qu'il n'y a pas d'autre Dieu.
Nous allons prier par rapport à cette parole, dire merci à Dieu que cette parole est venue vraiment à propos pour nous soutenir, pour nous fortifier encore. Bénissons la parole de ce soir. Que cela révèle à nous, Seigneur, que nous avons un Dieu vivant. Dans cette famille, nous élevons nos voix et nous allons bénir notre Dieu. Merci à toi, Seigneur Jésus. Nous allons encore continuer de prier pour notre frère Christian. Dieu a fait de grandes choses. Il est en train de continuer avec le médicament. Que Dieu vraiment puisse le bénir pendant tout ce temps qu'il est en train de continuer le médicament. Que Dieu puisse vraiment manifester encore sa gloire dans sa vie. Nous allons prier pour la maman, pour les enfants, pour prier aussi pour leurs familles respectives au pays. Jésus, ensemble avec nous.
Nous allons prier pour nos familles respectives et pour nos bien-aimés aussi qui ne sont pas avec nous ce soir. Que Dieu puisse les bénir aussi là où ils se trouvent. Prions pour eux. Seigneur, nous te prions. Rien n'est étonnant de ta part, Seigneur. Bien-aimés, nous allons prier pour nos familles respectives. Pardon, nous allons prier pour nos pays respectifs. Nous savons ce qui se passe dans nos pays. En tout cas, prions le Seigneur. Recommandons cette semaine que nous commençons entre les mains du Seigneur. Que Dieu puisse bénir nos activités, nos enfants, nos projets. Nous recommandons tout entre les mains de notre Dieu. Prions le Seigneur. Nous allons encore bénir notre Dieu pour la victoire de la Côte d'Ivoire. Nous avons suivi le match dès le début. Et à la fin, Dieu a permis ce qui est arrivé. Élevons nos voix et bénissons notre Dieu pour la Côte d'Ivoire. Nous allons nous lever pour clôturer notre moment de prière et nous allons chanter. Je ne sais pas si beaucoup de gens connaissent la chanson par rapport à la parole que nous avons partagée. Amen. 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 Hey,
On a regardé, on dirait que tu es église, on dirait que tu es messe. On dirait que tu es sans sa communion pour te déranger à Zate. Amen. Amen. Et toi, tu es beaucoup mis en Zambie. Amour, tu es allé à Zambie. Tu es beaucoup mis en Zambie. Même parole, tu es allé à Tanga. Tu es allé à beaucoup mis en Zambie. Pourquoi tu es allé à Zambie? Amen. 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 Zate. Tout le monde est allé à Zambie pour la parole. Oh Seigneur, il est la puissance. 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 Oh yes, la parole. La parole est la puissance. La parole et les caravans vont répéter, et les amis, les amis, au nom de Jésus, continuez à encore, parole de la 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 parole de encore notre Dieu et pour prier, intercéder. Amen. Amen. Nous donnons la parole à Papa Salomon qui va nous conduire pendant ces moments. Alléluia. Amen. Pour les amis qui sont en groupe, je pense que nous avons déjà reçu le texte qui avait été envoyé dans Jérémie. Dans Jérémie. Jérémie 32, je pense, 17 et 27. Nous pouvons lire dans 3-4 versions différentes. Est-ce qu'il y a